Bonsoir! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du secret d'un riz. La dernière fois, on était parti en ville parce qu'on en avait marre d'étudier. Alors, il fait tellement beau, pas un nuage dans le ciel. J'adore quand c'est comme ça. Même s'il commence à faire froid. Oui. Bon, parler météo n'est pas son kiff, message reçu. On se promène dans... Ah, Discord! Quitte Discord. On se promène dans la ville. Le samedi après-midi, les rues sont animées. Nous continuons à parler de l'exposé et s'échanger pas mal d'autres idées. Le fait d'avoir lu son livre il y a quelques semaines m'aide beaucoup. Tout est encore frais dans ma tête, donc il y a des informations qui ne m'échappent pas. Henri ralentit lorsque nous arrivons devant une toute petite boutique de jeux vidéo. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Ça te dérange pas si j'entre quelques instants? Tu peux m'attendre ici si tu veux, t'es pas obligé de venir avec moi. Si tu veux, on pourrait aller dans un magasin de vernis à ongles après. Merci. Je lève les yeux au ciel. Ça ne me gêne pas, ne t'en fais pas. Allez, allons dans la boutique. Oh ! Oh, un gros plan. Henri rentre dans la boutique. Le vendeur est pris dans une conversation avec un jeune client. Non, Gabriel. Si tu viens une fois de plus pour me réclamer une réduction sur le coffret collector de Grand Voleur de Voiture 6... Grand Voleur de Voiture... C'est même pas la peine d'essayer. Eh bien non, Johan. Cette fois-ci, j'ai ce qu'il faut, figure-toi. Henri se tourne vers moi. Je pense que sa question silencieuse est la même que la mienne. Se pourrait-il que Gabriel soit le petit frère de Rémi? Il porte un survêtement presque identique à celui du survêt numéro 1, et les deux garçons se sentent beaucoup. Gabriel sort quelques billets, paye puis s'en va. Henri s'approche enfin du comptoir. Le vendeur le reconnaît aussitôt. Hey, Henri! Salut mec, ta commande est arrivée, tu vas voir une vraie tuerie. Henri est visiblement très à l'aise avec le vendeur. Il doit compter parmi les habitués de la boutique. Salut Johan, merci. Je te dois combien? Le vendeur lui annonce le prix et sa commande et Henri paye. Finalement, Johan remarque ma présence. Oh, mais tu nous as amené ta petite amie? Hé, les canons! Hé, yo, Jo, viens voir, Henri est avec une fille. Non, Johan. Ah, j'y crois pas, c'est vrai qu'elle est canon. Stop! Incapable de dire quoi que ce soit, tout va trop vite pour moi. Hein? Je rougis de la tête aux pieds. Les gars, on ne sort pas ensemble. C'est Leila, c'est juste une amie. Il me regarde, sourire en coin. Enchanté, je suis dans la classe d'Henri et... Oh mon dieu! Là, juste à côté de moi, le coffret collector du dernier Ultime Fantasy XVIII est encore en vente. Sous mon nez. Ah, mais vous avez le dernier Ultime Fantasy en collector? Mon dieu! Mais c'est génial! Il est en rupture partout ailleurs. Mais tu connais ce jeu? Oui. Bien sûr, j'ai fini tous les autres avec mon frère. Bon, on a un peu galéré pour trouver l'arme ultime dans le 17, mais sinon, on a tout fait. On a même battu Giranova. Giranova? Mais c'est le boss le plus dur de la saga. Bien sûr, c'est pour ça que j'en suis si fière. Vous avez toute la série de Battle Hero super tonique. Quand Alex va voir ça? Tu joues aussi à ça, toi? Bah oui, je les ai tous. C'est adapté de la BD que j'adore. La série est moins bien, mais elle se laisse regarder. Elle est passionnée par ça. J'adore cet auteur. Mais où tu l'as trouvée, cette fille? Oh, il y a même la figurine. Je l'avais encore jamais vue en vrai. En fait, elle est peut-être même pire que toi, Henri. Jonathan et Yann rient tous les deux. Henri, lui, est toujours en état de choc. Il finit par me sourire. Si je m'attendais à ça... Tu t'attendais à quoi? À tout sauf ça. Pour être franc, finalement, ça me surprend pas tellement. Hein? Avec toi, y a plus rien qui me surprend. Bon, on y retourne. Oui? Allez, salut les gars. Salut! Vénard! On y va ou tu veux regarder autre chose? Ah, je dois regarder autre chose. Je dois regarder quoi? Ça? Ah non, d'accord. Bon bah du coup c'est ça là-bas.
Ce n'est pas mon jeu préféré, mais je sais qu'Alex le surkiffe. Je sens qu'il va adorer cette boutique. Ouais, par contre, le prix, il pique un peu. C'est super cher! Dis, Henri, regarde ma photo. Tu veux pas me le payer? Non, d'accord, tu ne veux pas me le payer. Du coup, je pense... On va parler du Gal, Gabriel. Voilà. Tu crois que c'était le Gabriel? Je sais pas, j'avoue qu'il ressemble beaucoup à Rémi tout de même. Oui, la ressemblance m'a aussi frappé. Tu as vu le prix de ce qu'il vient de s'acheter? Ce coffret coûte une fortune. C'est bien ce qui me fait peur. Génial. Mas, ah non, on n'a pas perdu de scène? Si, je ne sais pas. Tu m'accordes une minute, faut que j'appelle mon frère. Vas-y. Je prends mon téléphone et appelle Alex. Il est déjà en ville, je pense qu'il pourrait venir acheter le jeu vidéo. Pendant mon appel, je vois Henri se diriger vers deux jeunes filles. Il se baisse pour ramasser un petit sac que l'une d'entre elles avait fait tomber par terre. Excusez-moi, est-ce que... Qu'est-ce qu'il veut, le ringard à lunettes? Non mais qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu nous parles? Elle ne lui laisse pas le temps de répondre. Il est plutôt choqué et il tombe des nues devant la méchanceté de ses deux filles. Il croit qu'il peut nous draguer? Non mais lol quoi. Mon dieu, les deux ricanent comme des hyènes. T'as vu la tête que t'as? Reste pas trop près de nous, les gens vont croire qu'on te parle. Alex, je te rappelle à toutes. Je raccroche. Salut. Je me dirige vers Henri, il est dodo. Un grand sourire relève, je glisse ma main dans la sienne et m'accroche à son bras. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Je le sens sursauter à ce contact, mais je garde fermement ma main serrée pour pas qu'il s'échappe, et surtout pour ne pas qu'il fasse tomber à l'eau mon petit manège. Salut! Les deux filles me regardent interloquées. Je leur présente mon plus beau profil et je fais la belle. Henri, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends depuis tout à l'heure. Quoi? Il comprend ma mascarade. Je sais pas encore s'il va jouer le jeu. Je le regarde aguicheuse. Ok, j'en fais peut-être un pchouille à trop. T'es qui, toi? Elle transpire le dédain. Mon dieu. Je suis sa copine. C'est quoi ce sac? Je suis pendue au bras d'Henri. Je suis carrément fake, mais les filles n'y voient que du feu. Une de ces deux demoiselles l'a fait tomber et je m'apprêtais à leur rendre. Ah ouais, c'est à moi, rends. Je arrache presque le sac des mains. Je bouillonne. Je sens Henri serrer ma main comme pour me prévenir que je dois pas m'énerver. Il commence à me connaître et il peut sentir la patience quitter progressivement mon cerveau. Heureusement pour elle, sans autre forme de procès, elle nous tourne le dos. Pourtant, on peut encore attendre leur conversation. Tu crois qu'elle est avec lui? Tu l'as bien vu se frotter à ce gars? Franchement, je me demande comment elle fait pour être avec un mec aussi naze. T'as capté ses fringues et sa coiffure? J'en sais rien, moi. Dès qu'elle se trouve hors de ma vue, je lâche le bras et la main d'Henri. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai vu ça. Ce n'était pas désagréable. Il avait ce petit sourire en coin que je commence à connaître par cœur. Un sourire que je découvre presque séducteur. Je rougis. Elles étaient odieuses. Son sourire s'efface. J'aurais dû fermer ma gueule, tiens. Pour une fois, je le préfère souriant. C'est parce que je ne porte pas mes habits qu'il faut, que je suis pas coiffée comme il faut, et que je n'ai pas les lunettes ni l'attitude qu'il faut. Mais non, dis pas ça. Tu vaux tellement mieux que ces filles ignobles. Elles n'y ont presque pas cru à ton petit jeu. Elles ont été claires. Comment un type comme moi pourrait sortir avec une fille de ton niveau? Mais elles sont bêtes comme leurs pieds. Reste comme tu es, ne change surtout pas. Moi, je te trouve vraiment très beau comme ça. Je me redresse net. Une fois de plus, j'ai dit quelque chose de trop. Il me sourit, flatté et amusé par ce genre de maladresse. Ah mince. J'ai vraiment dit ça à voix haute. On dirait bien. Ah ben voilà. Ah ouais, ah. Au moins, il a retrouvé son sourire. Si ça continue, on va se faire de fausses idées sur mon compte. Bon, de fausses idées. Merci. Je lève la tête pour croiser son regard. Depuis quand il dit merci, lui? Il est sérieux et sincèrement reconnaissant. De rien. C'est un honneur d'être ta fausse petite amie. Il rit. Tout le plaisir était pour moi. C'est parti. Nous passons le reste de l'après-midi à nous balader en ville. Nous parlons jeux vidéo, BD, science-fiction. Nous avons à peu près les mêmes goûts en la matière.
Eh oui, même si ça le surprend, je suis une fille geek. Bon, abuse pas non plus. Il semble que l'exposé ait disparu de nos conversations. Mais en passant devant le magasin d'électroménager, quelque chose attire mon attention. Je crois avoir une idée en tête. Leïla, qu'est-ce que tu fais? J'entre dans le magasin et me dirige vers la télévision. Les écrans diffusent les chaînes d'infos sur un plateau hyper design. Deux journalistes présentent le journal. Les présentateurs sont en direct avec un reporter que nous voyons dans un écart à droite. Henri, regarde, je sais ce qu'on va faire. Il regarde l'écran sans comprendre où je voulais en venir. On va présenter notre exposé comme si nous étions sur un plateau. Développe un peu, s'il te plaît. Regarde, on pourrait se créer un faux plateau télé, et avec un peu d'imagination et de bricolage, on devrait pouvoir créer quelque chose qui monte, qui se démonte facilement. Faudrait d'abord qu'on fasse les interviews de toutes les personnes nécessaires à notre exposé. Paysans, agriculteurs, vendeurs, spécialistes, chercheurs, nous les interrogerons dans leur quotidien. Le jour de l'exposé, on sera déguisé en journaliste, on présentera un faux JT et on lancera nos interviews sur une télé. De faux directs, soi-disant, sur le terrain. Tu me suis ? Oui, je crois, oui. Et alors, ça te plaît ou pas ? Je suis toute excitée. Ça me semble compliqué, mais l'idée est marrante. Oui ! Tu te rends compte que ça fait davantage de boulot ? Oui, mais c'est ce qui est... Mais c'est ça qui est bien. On va aller directement sur place. Rencontrer les gens et leur parler. On va pas se contenter de chercher sur Internet. C'est vrai que cet aspect-là est aussi intéressant. Ça pourrait jouer en notre faveur. Ton idée me plaît. Il va falloir planifier tout ça. Oui, mais aujourd'hui, c'est un peu tard pour commencer, non? Ce n'est pas grave. C'est déjà bien d'avoir trouvé une idée sympa. Bravo, Leïla. Mais t'aurais rien. Enfin, il m'a dit bravo, pas merci, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là, pardon? Eh bien, ma fille, tout a l'air d'aller pour le mieux avec ce jeune homme. Oui, c'est vrai que je t'avais... Oui, c'est vrai que je t'avais pas tout raconté. On a fini par être amis. Oh, je vois. D'ailleurs, merci pour tes allusions tout à l'heure. Tu m'as collé la meilleure honte. Comment ça? J'ai rien dit de mal. De mal? Non, tu en as juste redit, sacré toi. Enfin, je t'en veux pas. Est-ce qu'il a acheté le jeu? Je m'affale sur mon lit. D'accord, on ne saura pas. Je suis crevée. Je regarde... Ah oui, mais non, elle avait pas appelé finalement. Et dire que nous avons joué au couple aujourd'hui? J'ai encore la sensation de sa main dans la mienne. Ah, RT. Bon, ben, on se retrouve bientôt pour la suite. Ou alors, non. Non, on se retrouve pas bientôt pour la suite. On fait une mini-ellipse et comme ça, ça ferait plus ou moins une demi-heure. Donc, à tout de suite. Me revoilà. Alors, devant moi, Jasmine et Clément se dirigent vers notre salle de classe. Je les entends sans les voir. Je les regarde sans les voir, je me disais bien que c'était bizarre. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je suis presque mal à l'aise à l'idée de revoir Henri. Petit à petit, j'apprends à le connaître et ce n'est pas sans me déplaire. J'ai quand même joué à être sa fausse copine pendant quelques instants, tout ça pour faire taire ces morues qui l'ont jugée sur son apparence. Elles ont été odieuses. Si elles savaient, Henri est vraiment quelqu'un de gentil. Je l'ai vu se démener tout autant que moi pour aider Tiffany. Même si ça me rend toujours folle de ne pas avoir eu le fin mot de l'histoire. Il y a une photo à prendre? Bah, je suppose que c'est là. Ah non, c'est là. Qu'est-ce que... J'ai regardé le graffiti inscrit au feutre indélébile sur le casier. Je lis « Tiffany, la princesse Fayette ». Je jurais que ce casier n'était pas vandalisé la semaine dernière. On dirait que c'est tout frais. Je crois me souvenir que c'est comme ça que Gabriel surnomme Fanny en cours. Tiffany. Tiffany, la princesse Fayette. Salut, qu'est-ce que c'est que ça? Je me tourne vivement et croise le regard sévère d'Henri. Je crois bien qu'on continue à s'acharner sur Tiffany. C'est en effet ce que je constate. Il quitte les yeux le graffiti et expire. J'imagine que vous allez rouvrir le dossier de l'enquête, inspecteur. Tu regardes bien trop la télé. Pour parler plus sérieusement, je peux pas laisser passer ça. Je suis trop impliqué dans cette histoire maintenant. Je comprends. Tu vas commencer par quoi? Je pourrais lui montrer cette photo que j'ai reçue par texto. Hein? Quelle photo j'ai reçue par texto? Ça? Photo que j'ai reçue par texto. De Tiffany? Ah, regarde.
Non? D'accord. Non. Mais il y a... Regarde, c'est une photo. Mais... Non, toi tu... On s'en fout. Mais ça, pourquoi je lui montrerais ça? Regarde! J'ai juste montré Tiffany. Non, je peux pas. Mais qu'est-ce que je dois lui montrer? Je vais lui montrer le gars là. Peut-être Gabriel? Non. Contact. Rémi. Qui dois-je lui montrer? Ça fatigue. Lui? Elle a dit, je devrais peut-être lui montrer cette photo que j'ai reçue par texto. Par texto, j'ai pas reçu 50 photos. Message. Y'a rien. Tiffany, y'a juste ça, je comprends pas. Attendez, je vais refresh. Parce qu'à mon avis, c'est clairement ça que je dois montrer. Hein. Si je dois recommencer tout. Oui, voilà, je reviens. Bon, je lui ai montré la photo, j'ai été voir sur internet, c'est bien ce que je faisais, sauf qu'il y a plein de gens qui ont le bug, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google, sur Internet Explorer, et là ça marche. Du coup je vais devoir finir cette partie d'épisode sur Internet Explorer, mais écoutez, ça a l'air de marcher alors, hein. C'était pas grave. On est tous les deux d'accord, c'est le survêtement de Rémi. Regarde bien la photo, que dois-je regarder? Ça je suppose. Je pense pas que ce soit ça. Ah. Oui, oui, ok. C'est le gymnase alors. Cette photo a l'air d'avoir été prise dans la précipitation, sans qu'il ne s'en rende compte. On voit que c'est dans le gymnase. Je sais que c'est maigre comme piste, mais on pourrait déjà aller voir là-bas pour voir ce que je peux y trouver. Je t'y accompagne. Oh, tu n'es pas obligé, Henri, tu... J'y tiens. À part si ma présence à tes côtés n'est pas désirée. Il me sonde. Je lui souris. Bien sûr que non, Henri. Je serais ravi que tu m'accompagnes. Merci. Je te propose qu'on y aille pendant la pause de midi. Qu'en penses-tu? C'est parfait. La cloche sonne et nous rentrons en classe. Le gymnase. Il n'y a personne pour le moment. Non. Non, les entraînements commencent dans une demi-heure. Dépêchons-nous alors. Oui. Au fait, as-tu une idée de ce que nous devons chercher? Je ne sais pas trop. Oh, j'aime bien le t-shirt, j'avais pas vu Keep Calm and Play B-Move Game. Ah, ça bug. Il est mis qu'il faut pas. Enfin, que c'est pas recommandé de jouer sur ce navigateur, mais bon. Quelque chose qui aurait appartenu à Tiffany, je suppose. Bah, c'est compliqué, tiens, ça. Ouh. Il n'y a pas du tout deux trucs là-bas. Henri, tu penses quoi de ça? C'est quoi? Il se penche vers moi et j'ai toujours ce trouble quand je le sens si près. Nous examinons ensemble le petit porte-monnaie, qui, sans surprise, est à l'effigie de Jay. Il a été piétiné par quelqu'un qui avait écrit au marqueur noir « Fayotte ». Henri lève les yeux vers moi. Cette histoire de Fayotte a l'air de le contrarier. Il y a aussi ça. Hop. Appareil photo. C'est les clés? C'est des clés? Henri, regarde ce que j'ai trouvé. Il accourt vers moi. C'est un bijou de téléphone, Jay. Comment tu sais ça, toi? Hein? Eh bien, Tiffany a l'air très fan de Jay, donc par déduction. Mais comment sais-tu que c'est un bijou de téléphone? Je rêve où il est mal à l'aise. Simple intuition. Il me semble aussi avoir déjà vu ce bijou un peu partout. D'accord, je comprends mieux. Allez, hop. Il n'y a plus de doute à avoir. Ce sont bien les affaires de Tiffany. Allons la voir. Allons-y. Mais prenez-les avec. Pas juste une photo. Salut. Vous cherchez quelqu'un? Oui, toi. On a du nouveau. Bon alors, regarde toutes tes affaires. Est-ce que ce porte-monnaie t'appartient? Oh mince. Lui aussi avait disparu. Je pensais qu'il était quelque part chez moi. Elle constate que son contenu est vide. Mais sa mine s'attriste d'autant plus qu'elle lit ce qu'il avait écrit dessus. Fayotte.
Oh, choupette. Ah bah, il faut montrer un autre truc. Est-ce que c'est à toi? Ah oui, c'est à moi. C'était accroché à mon premier portable. Tu veux dire celui qui t'a été volé il y a environ 2 semaines? C'est bien ça. Ah, hop. Et ça? Je ne sais pas si tu l'as vu, on est tombé sur ça ce matin. Alors que je lui montre la photo du graffiti, je vois les commissures de ses lèvres trembloter. Tiffany... C'est comme ça que m'appelle Gabrielle. Tiffany, la princesse Fayette. Tout le monde dans ma classe se moque de moi, du coup. Mais pourquoi ce Gabrielle s'acharne-t-il sur toi à ce point? Il n'arrête pas de dire que je suis qu'une petite intello, que je n'ai pas d'amis et que je n'en aurai jamais. Il rabâche sans cesse que je suis bonne qu'à lécher les bottes de mes professeurs. Tout ça parce que j'ai des bonnes notes et que j'aime bien parler avec mes profs. C'est débile. J'ai aussi des bonnes notes et j'adore mes profs, mais... Henri me regarde tristement, puis pose sa main sur l'épaule de Tiffany. Je sais exactement ce que tu ressens. Elle relève la tête. Henri a l'air grave et sérieux. Ah bon? J'ai toujours été le premier de ma classe. Échanger avec mes professeurs ne m'a jamais dérangé, bien au contraire. J'avais constamment droit à des remarques désobligeantes. Je pense que tu vois tout à fait de ce que je veux parler. Tiffany acquiesce sans dire un mot, et nous continuons à écouter le récit d'Henri. Je suis suspendue à ses lèvres. Jamais il ne s'est livré sur son passé comme il est en train de le faire. Dans mon ancien lycée, c'était pire. Une forte tête avait décrété que je serais sans amis jusqu'à la fin de ma scolarité, et tout le monde avait suivi sans broncher. Les seules personnes qui osaient s'approcher ne le faisaient que pour copier sur moi, en cours, ou pour récupérer mes devoirs. Bien évidemment, ils continuaient à me dénigrer dans mon dos. Henri, j'ai toujours mis un point d'honneur à les ignorer. Et finalement, je me suis transformée en quelqu'un de méfiant, de distant. Même si envers ceux qui font le premier pas pour venir me parler. Même envers ceux qui font le premier pas pour venir me parler, sans arrière-pensée. Sur ces mots, il se tourne vers moi et plonge ses yeux bleus dans les miens. Je comprends qu'il parle de moi. Malgré la première approche que j'ai pu faire dans son sens, il est resté froid et fouillant. Il soupire. Enfin, il se détend sans détourner le regard du mien. Il me sourit. C'est sans compter sur l'acharnement des bonnes personnes, qui ont fait tout pour que je m'ouvre à elles. Sourit timidement en baissant la tête. Ne deviens pas comme moi, Tiffany. J'ai failli passer à côté de ces bonnes personnes. Au fond, Gabrielle a tort et tu vas pouvoir le lui prouver. Tu as des amis, Leila, Jasmine, et moi aussi. Sache que tu pourras toujours compter sur moi. Tiffany sourit tendrement à Henri, touchée par ses confidences. Il a raison, nous sommes là pour toi. Et surtout, ne change rien. Reste la bonne élève que tu es. Ce n'est pas une tare, tu sais. Ça te dérange certaines personnes que tu t'entendes bien avec tes profs? Qu'importe, fais-en une fierté. Elle sait ce qu'elle dit. Si tu voyais la tête de Leila quand son prof d'histoire géo lui adressait la parole, on dirait presque de l'amour. Arrêtez de rire, je lui tape dans l'épaule. Hé, hey, tu vas pas t'y mettre toi aussi? C'était pas de ma faute si génial et extraordinaire et captivant et chouette et charismatique et intelligent et... Je pense que Tiffany a compris Leila. Merci à vous deux. Ça fait du bien de parler avec vous. Je t'en prie. Tiffany s'en va et je me retrouve seule avec Henri. C'est vraiment adorable de ta part de t'être confiée à elle. Je pense qu'elle se sent moins seule et incomprise. Je l'espère. J'aimerais bien dire 2 mots à ce Gabriel. Mais tu ne le connais pas. Tu pourrais pas essayer de voir Rémi plutôt. Il a l'air de savoir quelque chose. Ouais. En parlant du loup, je vois les survêtes traverser le hall de l'entrée. Je vais à leur rencontre. Oh non. Salut. Rémi? Quoi? Je peux te parler? J'ai pas trop le temps, là. Il semble que je lui tombe dessus avec cette histoire de téléphone volé. Il est tout aussi agité que la première fois que j'en ai parlé à la cantine. Je ne te laisse pas trop le choix, en fait. Il est préférable pour toi qu'on parle. C'est bon, les gars, partez sans moi, je vous rejoins. Allons dans un endroit plus calme. Allons-y. À mon avis, j'aurais plus de... On est dans un endroit plus calme, là? Pourquoi c'était... Ah, ok. J'allais dire pourquoi cet épisode n'arrête pas de bugger, mais c'est bon. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, vu que ça fait 4 scènes qu'on fait. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ici, abortez-vous bien. Bye bye.